Avec ce phénomène qui prend de l'ampleur, une nouvelle drogue. Une nouvelle drogue qui fait fureur, notamment chez les jeunes. Et elle est légale. Ces petites capsules grises que vous utilisez peut-être en cuisine, ces cartouches qui servent normalement de recharge pour les siphons à chantilly. Elles contiennent du protoxyde d'azote, un gaz hilarant lorsqu'on respire. Un couteau suisse par exemple, et l'air qui s'en échappe, je le récupère dans un ballon de baudruche, et une fois que j'ai fait ça, je l'inéginale avec la bouche, en respirant dans le ballon. Moi j'ai l'impression de flotter, je suis avec les copains, ils sont à 1 mètre de moi, et en même temps j'ai l'impression d'être à 2 km d'eux, tu leur parles et t'as l'impression que ça met 3 jours à arriver, pendant que tu leur mets. On rigole bêtement d'un peu tout et rien, on s'en procure chez des magasins qui vendent des un peu d'électroménager, des piles, des machins, des trucs, des ampoules, etc. Et après quelques calculs, c'est environ 8-9 euros, il y a une dizaine de doses. Il paraît par exemple avec un cannabis que c'est plus cher. J'ai jamais eu de problème personnellement avec ça, moi j'ai jamais eu d'effet secondaire, j'en ai pas bien conscience, forcément ça me pose pas un problème. Sauf qu'il ne fait pas beaucoup rire les médecins qui alertent sur les risques, parfois mortels. Ces petites capsules grises que vous utilisez peut-être en cuisine, ces cartouches qui servent normalement de recharge pour les siphons à chantilly. Elles contiennent du protoxyde d'azote, un gaz hilarant lorsqu'on le respire.
protoxyde d'azote, oxyde hilarant lorsqu'on le respire, un gaz